Bon, eh ben, épisode 12, donc j'ai encodé l'épisode 9 et puis on est parti. Comment, juste un petit détail parce que j'en ai profité pour faire un petit calcul. Hop, c'est pas par là. Comment, donc faut savoir que bon, ben, pour un épisode en fait, ça me prend bon 20 minutes à filmer. Bon, ça, ok, tout va bien. Faut savoir que l'encodage après, ça me prend une heure. Et qu'après, le plot d'un épisode sur YouTube, ça me prend 5 heures. Parce que je fais de la HD. Et voilà, vu le nombre d'abonnés que j'ai à présent, je me suis mis à faire de la HD. Et donc, c'est assez long à uploader. Donc, ce qui fait qu'en gros, ben, le tournage, ça me prend que 20% du temps. Et après, c'est extrêmement long pour envoyer un épisode. Donc, pour faire simple, en fait, admettons que la série que je suis en train de tourner fasse 10 heures. Je mettrai 40 heures pour encoder toute la série et 150 heures pour l'upload. Ce qui veut dire une semaine à peu près. Une semaine entière, le PC constamment allumé à envoyer sur YouTube. Voilà, c'est pour vous donner une idée du temps que ça prend quand même. Donc voilà. Donc ça, très simple, hein, voilà, j'ai juste... J'ai pas vu qu'il m'en avait envoyé plusieurs. Bon. Bon, bah quand faut y aller. Faut y aller. Parce que de toute façon, elle repousse celle-là, je crois. Allez, hop. Oui, donc je suis en train d'utiliser tous mes pods, mais bon, je suis passé. De toute façon, je crois qu'il faut forcer le passage, c'est trop dur de... C'est quasiment impossible de passer sans toucher. Hein. Et la preuve, c'est qu'après, il vous fournit en pod et trucs comme ça, donc... Ok. Une boîte de Kabobs régénère toute votre énergie. Alors, que je dise pas de bêtises. Ah non, je peux pas passer au-dessus. Bon. Je me souviens plus, il y avait un... Il y a pas une histoire de fusible ou une connerie d'argent. Ah oui, non, c'est ça. Ça désactive ça, mais ça désactive autre chose, je crois. Parce que ça sert pas qu'à sauvegarder. Hein. Ou si, en fait. Bon, écoutez, on va pas sauvegarder tout de suite. De toute façon, on n'a pas... Le chrono, le chrono, le chrono, le chrono. Voilà. C'est parti. Ouais, donc... Je me souviens plus. En fait, je me souviens plus. Non, en fait, c'est pas par là. Ouais, c'est ça. Donc, si on va quand même sauvegarder, je me souviens maintenant de par où faut passer. Bravo, Fripon. Excusez-moi, le... Je peux vous aider ? Mon chat qui vient de faire tomber des prospectus. Un de mes chats. Ah, vous en ? Allez, c'est parti. Donc moi je monte en haut. Je vais explorer le secteur par là. Je dis comme ça. Soyez prudent. Donc
par là, il n'y a que dalle. Par là, il y a un mec tout seul, donc on va pouvoir se le faire les doigts dans le nez. Alors, il va y avoir beaucoup de... comme ça, d'action contre la montre un petit peu. Voilà, parce que la porte, en fait, elle va descendre. Voilà, elle descend très rapidement. Bon, des boosts, j'en ai plein et je m'en sers jamais. Je m'en servirai peut-être dans la course 4, je sais pas. Ah, ici! Oh non, pas ici. Je me souviens même plus de comment comment il faut faire. Je les ai entendus parler d'un arrivage de caisse. On est sur la bonne voie. Je t'en dis parce que faut aller là-bas. Ouais, je me souviens. Alors, faut faire attention parce que... je crois que j'ai couru, ils m'ont repéré. Bon, ça fait... là, il me semble qu'il faut que de toute façon je vise le robot. Projectile ! Lui, il va se ramener. Restez sur vos gardes ! On va pouvoir lui tirer dessus. Les autres vont l'aider, en fait. Donc ça va être encore une phase longue. C'est... ouais, sauf que t'aurais pu te ramener. J'y vais. Restez sur vos gardes. Voilà, ramène-toi. Je peux te tirer dessus. Dès que tu t'arrêtes, t'es ma proie. Et voilà. Je me suis fait repérer sur le dernier, c'est très con. Et vous voyez donc le robot là en question, là, il one shot quoi, direct. Hein. Dès qu'on se fait repérer, c'est mort quoi. Il va pas se ramener. Bon, on va recommencer. Ça vient de là-bas. J'y vais. Fausse alerte. Fausse alerte. Assistance au binôme. Et là, je t'ai... alarme, alarme. Ah, putain, j'ai pas eu le temps de me barrer à temps en plus. Eh, je suis lavé là. C'est la stratégie, hein. C'est sûr à 100%, c'est la stratégie à adopter. Fausse alerte. Projectile. Ça, c'est lui qui va se ramener. Bon. C'est pas... ça change pas la stratégie. À
assistance au binôme. Oh! Assistance au binôme. Merde. Ok, système rebranché. Fausse alerte. Oh! Intrusion, intrusion! Demande autorisation au nettoyage zone. Reçu. Allez, on va passer l'épisode là-dessus encore. Je le sens bien. Oh misère. Assistance au binôme. Non, non, pas d'assistance au binôme, tu le laisses tranquille. Oh, voilà, merci beaucoup. Parce que l'infiltration, de toute façon, comment vous pouvez bien vous balader ici, il y en a toujours un qui est là-bas coincé, donc... Allez, 1, 2, et le troisième. Un, dos, tres. Sinon, il y avait moyen de passer en bas, je crois, mais non, laisse tomber. Laisse tomber. Hop. Alors, attendez, je voudrais revenir en arrière, vérifier un truc. Il y a quelque chose par là. Non, c'est juste une cachette. Ok. Alors, par là on peut pas y aller tout de suite. Ah oui, alors là, stratégie, stratégie, stratégie. Alors, on bouge la caisse ici. On active l'ascenseur. On coupe le courant, on récupère le fusible. Et pourquoi j'ai mis la caisse ici? Bah, c'est pour pouvoir remonter, parce que donc le fusible alimentait le monte-charge. Hey. Allez. Donc, voilà, donc on a un fusible. Je ne sais plus où il va, mais quand on aura besoin d'un fusible, je sais qu'on l'aura. Par là, il y a quelque chose à récupérer. De toute façon, on y reviendra plus tard, mais... Ben voilà. Voilà où allait le fusible. Ça sert simplement à esquiver les rayons. De toute façon, ici, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'unité. Voilà. Hop, on va s'accrocher ici. Attendre un peu, voilà. Alors, par là il y a des trucs à récupérer et par là c'est la sortie. Hop, ok. Ouais, c'est juste du pognon. Je pensais qu'il y avait une perle à récupérer ici. Ah oui, il y a un cœur. Ok, de toute façon il nous reste 10 minutes de vidéo. On a le temps, on est bien. Oui, alors je suppose que... Comment que vous vous demandez en fait pourquoi je registre comment les épisodes comme ça, pourquoi en fait ce walkthrough je possède comme ça, j'enregistre tout et après en fait je upload le tout puis je programme et que j'attends pas votre feedback, c'est parce que en fait je profite d'avoir du temps de pas d'avoir terminé ma période d'examen pour pouvoir tranquillement en fait filmer. Alors, repérer quelque chose? Négatif.
Rien vu de vraiment compromettant. Il faut trouver un passage vers la salle centrale. Donc j'en profite en fait pour tourner un maximum de vidéos et comme ça quand j'aurai moins de temps, bah, donc il y aura quand même du contenu sur ma chaîne. Voilà, puis là, attention, discrétion absolue là actuellement là. Donc voilà, donc si je le procède comme ça pour mes vidéos, c'est juste pour gagner un maximum de temps et avoir un maximum de contenu. Attention, sur ma chaîne. Oh, respectez le binôme, chapitre 12. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Ah oui, il faut que je les prenne en photo peut-être. J'arrive. Voilà. Parfait. Je l'inclus dans la liste. Ah, 1100 quand même. Bon, j'aurais pris quelques dégâts en les prenant, mais bon. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Garçon et Peter ! Merci. Ah, c'est pas vrai, hein. Il s'est fait dégommer ce con. En gros la solution ça reste comment? De lui demander comment de faire son attaque en rafale et puis c'est tout quoi. Bon, c'est un peu lourd au niveau du dialogue, mais bon. Et puis au niveau du bruit aussi. Parce qu'en fait quand il utilise sa super attaque, en fait bah, ça assomme les monstres là. Ah oui, puis résultat. Voilà, faut peut-être que je la reprenne en photo. Bon travail. Allez, c'est parti. Bon, en gros, donc, je m'attraque eux et clic gauche. Hein, c'est ça. Mademoiselle Jade, joli travail en binôme. Eh ben dis donc, on en aura chié. Ah, vous en... Ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était surtout de donner ça. Tiens. Voilà. Merci, mademoiselle Jade. Allez, vas-y. Merci. Vous allez déboucher dans la salle centrale. On se retrouve plus tard. Bonne chance. Bon. Combien de temps on a? 4 minutes. On va encore passer une plombe sur ce tableau. Est-ce qu'il est... Celui-là aussi est horrible. Intrusion. Merde, voilà. C'est ce que je disais. Colle-toi contre le mur. Voilà, ça va être ça beaucoup de fois, donc je sais pas si je vais couper, faire une ellipse ou je sais pas.
Ou pour une fois n'est pas coutume, on va changer, on va pas se quitter sur un checkpoint, on va s'arrêter à la fin du chrono parce que je sens que ça va prendre des plombes. Bon, attendez. On est attaqué. Hop. On est attaqué. Voilà, et lui. On va bien réussir à l'avoir. Voilà. Bon, et puis il reste 2 minutes au chrono, si ça c'est pas de la maîtrise. Voilà. Bon, j'y suis allé comme un bourrin en gros, c'est... Tout va bien. Tout va bien, on va pouvoir sauvegarder, on va prendre la dernière photo, je crois pas qu'il y ait de garde. Dans le doute, on va quand même sauvegarder. Ah oui, non, on est encore sacrément loin quand même. Bon. Alors lui, disons que j'en ai vu des gardes-cons dans ce jeu, mais lui, je crois qu'il a la palme d'or, lui. Voilà. Et il y a son frère pas loin. Je... Starcos, ça me parle pas plus que ça. Non, j'ai dit que ça me parlait pas plus que ça. Allez. Récupère le pognon. Voilà, hop, là son frère. Allez, hop, merci, au revoir. Il va tomber de toute façon, voilà. Ou peut-être cousin, hein, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Voilà, et la dernière photo à prendre là-bas, ce sont des... Donc les photos des mecs là. Hop. Ouais, bon, allez. On va attendre qu'ils se retournent une dernière fois. Bon, normalement là, c'est censé être rapide. Hey, ça va ? Assistance au binôme ! Voilà, easy, easy, easy. Moins fort, bande de cons. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Attendez, je prendrai le fusible après. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des caisses ici. Ah, et puis le chrono m'indique que c'est la fin du temps. La partie. Donc on va, hop, juste prendre le fusil, prendre la photo. De l'autre côté. Ton reportage est incroyable, Shoni. On grave tout de suite le Iris 514. Je transmets au gouverneur. Elle t'enverra le code des abattoirs. Ouais. Comment j'ai pu rater ça? Bon, de toute façon, on...
Bon, de toute façon, je sais que le message que je vais recevoir, c'est le code. Et voilà, donc là on est de retour au début. Écoutez, on va sauvegarder avant de sortir. Et puis ben, je vous dis rendez-vous à l'épisode 13. Allez,